Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et je voulais te parler de ta valeur à travers une histoire. On va démarrer tout de suite. Est-ce que tu pourrais estimer cette montre-là? Si tu y arrives, mets en commentaire à ton avis combien elle coûte et reste bien jusqu'au bout de la vidéo où je vais t'annoncer un secret incroyable par rapport à ta valeur. Je vais te raconter cette histoire, c'est l'histoire d'un père et son fils. Le père, il était mourant sur son lit de mort et il dit à son fils, tiens mon enfant, prends cette montre, va chez l'antiquaire. C'est une montre qui a plus de 200 ans, elle se transmet de père en fils et va l'estimer s'il te plaît. Alors du coup, c'est ce que fait le fils, il va chez l'antiquaire, il revient et dit « Papa, l'antiquaire m'a donné uniquement 20 euros parce qu'il me disait que ta montre a été vieille et a été sale. » Alors le père, il dit « Écoute, c'est pas grave mon enfant, prends cette montre toujours et ce coup-ci va chez l'horloger. » Il va chez l'horloger, l'enfant tout content, il revient et dit « Papa, la montre, elle ne vaut que 10 euros chez l'horloger parce qu'elle est cassée. » Le père lui dit « Écoute, c'est pas grave mon fils, ce que je te propose maintenant, c'est de prendre cette même montre et d'aller chez le directeur du musée. » Et là, le fils, il y va, bon, il traîne un peu les pieds pour y aller, et il revient complètement abasourdi. Il dit « Papa, papa, ta montre, elle vaut plus d'un million d'euros. C'est une montre qui est super rare, et en plus, ils en ont besoin pour leur collection dans le musée. » Et là, le père, il sourit et répond à son fils « Écoute, mon enfant, la bonne personne, au bon endroit, verra toujours ta vraie valeur. » Et cette histoire, elle m'a beaucoup, beaucoup inspiré, parce que des fois, tu te sens jugé, ou peut-être que tu as des compétences que tu essaies d'apporter aux personnes autour de toi, et tu trouves que tu es pas à la hauteur de toutes les autres personnes. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment reste focus sur ce que tu as envie de partager, reste concentré vraiment sur la valeur que tu as envie d'apporter au monde et tu verras que ta valeur, elle va forcément être perçue et va valoir beaucoup d'argent envers d'autres personnes. À travers cette vidéo, je voulais juste que tu saches que tu es une bonne personne, que tu as une seule chance sur 400 trillions d'être en vie. Donc, tu souris au quotidien, tu kiffes ce que tu fais, tu partages les positifs autour de toi, tu as une valeur inouïe, ne l'oublie jamais, tu es une bonne personne aux yeux de plein de monde. Tout le monde aimerait t'avoir dans sa vie, donc kiffe ce que tu fais, partage ça de partout comme je viens de te le dire. N'hésite pas à t'abonner, à liker si tu as aimé cette vidéo, à commenter si tu avais trouvé le prix de la montre. Ciao, à plus tard, c'était Sébastien.